Chers auditeurs, je vous remercie pour vos retours, pour le soutien que vous manifestez sur les réseaux sociaux et tout ça. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Étoiles du Bled. Et puis, je reçois une étoile, une très grosse étoile, pas des moindres. J'ai nommé Monsieur Dodo Obilale. Bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, vous? Oui, ça va, ça va. On peut se tutoyer. J'ai demandé la permission avant qu'on enregistre. D'accord, il n'y a pas de Quand problème. Se tutoie, c'est justement pour rendre la chose super conviviale et puis bon enfant. Donc voilà, on se tutoie. Il n'y a pas de problème. Voilà. Sinon, j'espère que tout se passe comme tu veux. Ça va, super. On se retrouve dans un petit coin de Lomé. Et je ne sais pas, tu es là pour une activité particulière. Tu résides à Lomé ou tu es plutôt... Je fais les deux. Je fais les deux. De temps en temps, je vais en France. Après, je rentre à Lomé pour mes activités aussi. Ah, d'accord. Par rapport aux enfants, tout ça. D'accord. Important. D'accord. Super. La présence des parents. Super. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. J'ai galéré pour t'avoir. Ça m'a pris au moins 2 mois. Mais finalement, je t'ai et je ne vais pas te lâcher. En tout cas... Pendant un bon moment là, je vais faire le nécessaire pour bien profiter de toi, récupérer le maximum d'informations et puis voilà, c'est vraiment un plaisir de t'avoir, un honneur et voilà. Du coup, on va passer à la première partie de cette interview, de cet épisode, de cet échange plutôt. Et voilà, c'est parti pour la présentation de l'invité. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. L'étoile du jour a connu une trajectoire pour le moins inédite. Elle aurait pu très vite s'éteindre, mais le destin en a décidé autrement. Kodjovi Doji Obilale, ex-international togolais, gardien de but, tu as commencé ta carrière en France, où tu as enchaîné des périodes de stage au Chamois Niortais en 2001-2002, puis à Lorient en 2003. Des passages peu concluants, alors tu décides de revenir au Togo, précisément à l'étoile filante de Lomé, où tu gardes les cages jusqu'en 2006. Ce passage dans le club des Bleus et Blancs de Lomé te permet d'intégrer l'équipe nationale et de sécuriser ton ticket pour la CAN et le Mondial 2006, en tant que gardien remplaçant. À cette époque, les places dans le nid des éperviers valaient très cher, mais tu as réussi à prouver que tu valais bien ta place. Mais c'est à ce moment que tu décides de retenter l'aventure de l'Europe en rejoignant le Cercle Sportif Quevanois, un club régional de la Bretagne en France. On te perd un peu des radars de la sélection nationale, mais après ton transfert en 2008 au club de CFA 2 de la GSI Pontivy, tu fais ton retour dans le nid et en quelques matchs de la campagne de qualification pour la CAN Angola 2010, tu mets tout le monde d'accord. Dodo doit être le titulaire de l'équipe nationale. N'en déplaise aux supporters de l'emblématique gardien de but, Kossi Agassa, dont les dernières performances laissaient un peu à désirer. Lecture de jeu excellente, bon réflexe sur la ligne et jeu aérien au point. En un ou deux matchs, personnellement, et là je parle pour moi, je me demandais ce que tu faisais en CFA 2. Mais je me disais tranquille, de toutes les façons, si tu montres à toute l'Afrique, pendant la CAN, ce que tu nous as montré sur tes derniers matchs en tant que titulaire, c'est plié, on viendra te chercher. Effectivement, j'ai eu raison, mais j'ai eu raison à moitié. Dodo, plein de clubs sont venus te chercher, mais pour des raisons que nous étions loin, loin, loin de nous imaginer. Janvier 2010, l'équipe du Togo arrive en grande forme pour la CAN. Et au pays, nous sommes tous confiants, car on sentait que de la défense à l'attaque, nous étions prêts et on se savait capables de faire quelque chose de grand. Mais c'est alors que le 8 janvier 2010, juste après avoir traversé la frontière entre le Congo et l'enclave de Cabinda, où le Togo va jouer les matchs de poule, les deux bus de la sélection sont attaqués à coups de Kalachnikov par un groupe du mouvement indépendantiste de la région.
Un changement de bus, un changement de position de bus à la frontière aura sans doute permis de limiter les dégâts. Mais au-delà de tout ça, ces dégâts restent quand même très colossaux. L'entraîneur adjoint et le chargé de communication de l'équipe ne survivront pas à cette attaque. L'entraîneur des gardiens est blessé à la jambe et toi, Dodo, seul joueur de l'effectif à être touché, tu sors du bus inconscient, gravement touché, gravement blessé au dos et à l'abdomen. L'équipe du Togo finit par se retirer de la compétition, mais toi, c'est au foot en compétition que tu dis au revoir. Fort heureusement, la vie te sourit toujours. Tu t'en sors, non sans séquelles, mais tu trouves la force auprès de tes enfants, comme tu dis, pour avancer malgré ton handicap. Comme je le disais tout à l'heure, pas mal de clubs, y compris mon club de cœur, l'Olympique Lyonnais, viennent te chercher, surtout pour te témoigner de leur solidarité après l'événement tragique. Et ensuite, la vie doit reprendre et elle repart de plus belle. Tu découvres la vie d'un porteur de handicap avec la méchanceté gratuite des personnes qui vont avec. Mais aussi, tu te renouvelles, tu t'engages, entre autres, avec l'association Remise en jeu de Christian Gourcuff, où tu apportes ton soutien aux jeunes défavorisés, déscolarisés. Tu n'es jamais loin des terrains, tu assumes un rôle d'éducateur sportif, d'éducateur spécialisé pour la réinsertion de ces jeunes. En le 7 octobre 2015, tu publies un livre, Un destin foudroyé. Et on a bien envie de se dire que finalement, celui qui, après l'attentat, sentait un intense sentiment de vide et d'inutilité, comme tu écris dans ton livre, finalement n'est pas si inutile que ça. Le 8 janvier 2020, 10 ans après le drame, tu reçois un prix spécial de la Confédération africaine de football avec une promesse d'appui financier à la réalisation d'un de tes projets. Le 25 mai 2022, tu lances le tournoi au Bilalé pour la relève, destiné aux U15 pour faire émerger les jeunes talents. Et entre autres, tu portes aussi le projet AgroFoot, qui a été supposément soutenu par la CAF finalement. Bon, après tu nous diras. Et c'est un projet en fait qui vise à soutenir l'agriculture durable, qui vise à encourager la consommation des produits locaux et bio, et aussi inciter les acteurs du foot à investir dans le secteur agricole. Donc on voit que voilà, tu as quand même une carrière d'entrepreneur qui fait suite à celle du foot. Et puis on peut dire quand même que voilà, cette carrière peut-être te réussit un peu. Et tu nous en diras peut-être un peu plus tout à l'heure. Du coup, c'est à peu près ce que j'ai pu trouver pour te présenter. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu pourrais dire pour, je ne sais pas, arrondir les angles ou pour confirmer ce que j'ai dit? Ou, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire que je n'ai pas encore dit dans cette présentation? Non, déjà merci, merci pour l'intro. Tout est dit, bien résumé, et puis voilà, il n'y a rien à rajouter. Bah, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, ça fait plaisir. Alors, du coup, on a quand même, voilà, un aperçu global de ce que tu as, de ce que tu as pu faire, de la carrière de foot à ce qui s'en est suivi un peu plus tard. Mais après, voilà, moi, j'ai des questions que j'appelle les questions tout-caratives que j'aimerais te demander. Voilà, pour te découvrir un peu, pour te découvrir un peu autrement. Et une des questions que j'aime souvent poser, c'est genre, si je reçois mon invité chez moi à la maison, qu'est-ce que je dois lui servir à manger ou à boire? Mais je sais déjà que toi, ton plat préféré, c'est la pâte avec ademain. Oui, c'est Tu vois? ça. Donc, je ne vais pas te poser cette question. Je vais te poser d'autres petites questions comme ça. Et puis, voilà. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la phrase et je te laisse la terminer. D'accord, il n'y D'accord? a pas de problème. Alors, l'avantage avec les femmes togolaises, c'est que... Sont belles. Oh. Chaque fois quand j'arrive à Lomé, la première des choses que je fais, c'est... Chaque fois que j'arrive à Lomé, la première des choses. C'est à moi la question? Oui. La première Tu des choses, continues, genre je commence la phrase, tu la je termines. mange à Koumé avec Ademain. Ah ouais. En fait, tout à l'heure, ce midi à la maison, c'est ce qu'on avait mangé. Et vu que j'avais découvert que c'était ça ton plat préféré, je me suis dit, mais tiens, peut-être que je devrais en ramener là, tout ça. Mais maman va dire, ah, laisse C'est une tomber, tout ça. coïncidence. Ah ouais. Alors, l'année 2023 a été positive dans le sens où... Où j'ai pu réaliser ce que je souhaiterais faire, quoi. Et c'est... L'agriculture. Ok. Tu pars en guerre avec un joueur que tu as côtoyé en sélection.
D'accord? Tu prends qui? Tu pars en guerre et tu dois prendre un joueur avec toi pour t'accompagner, un compagnon de guerre. Dans la sélection togolaise. Oui, un joueur que tu as côtoyé de 2006 à 2010. Tu pars avec lui. 2006 à 2, c'est difficile, hein. Non, mais tu ne peux choisir qu'un seul Un seul joueur joueur. qui va partir avec toi à la guerre. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu prends ce joueur-là. Elle est très difficile cette Ah question, ouais, mais mais débrouille-toi, c'est ton problème. je cherche un joueur avec qui je pourrais partir à la guerre. À la guerre comme à la guerre. C'est Tchangaï Mazama et son père à son âme. Personne. Ah, mais ça c'est facile. Tu prends quelqu'un qui n'est plus là, comme ça les autres ne peuvent pas dire, oh, pourquoi tu l'as choisi, Non, lui et pas moi. parce que c'est la première des personnes qui m'est venue à l'idée et puis je sais qui il est. Je sais Ok. que c'est un combattant, c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, qui n'a peur de rien. Il peut jouer contre n'importe quel grand attaquant. Il sera toujours lui-même, sans trembler, droit Sans dans ses trembler. bottes. Du coup, tu prends Tchangaï Mazama. Ouais. En tout cas, c'est un très bel hommage À à ce ta grand personne, à monsieur. ce grand monsieur. Et voilà, paix à son âme, comme tu as dit. Et voilà. Bon, bah, du coup, merci. La partie présentation, elle est bouclée. On va passer à la suivante où on va aborder ta carrière. N'y a pas de problème. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Maraké, l'invité du jour, parler de son œuvre. Alors, Dodo, je peux t'appeler Dodo, non? Oui, y a pas de problème. Là, dans cette partie, nous allons évoquer ta carrière de footballeur et Semi-carrière. ta semi-carrière. Non, Oui. c'est quand même une carrière. Elle s'est terminée beaucoup plus tôt que tu l'aurais souhaité, que nous l'aurions souhaité pour toi. Mais ça reste quand même une carrière. Tu as défendu les couleurs du pays et au nom de tous les Togolais, y compris mon propre nom, je veux te dire merci, 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 parce que voilà, genre, je me dis que quelque part vous vous êtes honoré quand vous représentez le pays, mais nous en fait quand vous partez comme ça défendre les couleurs du pays dehors et tout ça, c'est un peu comme si vous partez à la guerre pour nous pendant que nous sommes à la maison. Donc voilà pour ça, voilà nous on doit quand même vous saluer, saluer les efforts, les transpirations et en plus vu le cas particulier dans lequel tu t'es retrouvé, c'est Le un peu comme si tu es sacrifice. voilà c'est un sacrifice que tu as fait, tu es tombé à la guerre pour le pays et tu vois et aujourd'hui tu te relèves et tu es là, tu continues de te battre à ta façon pour le pays et pour ça je pense que on ne te remerciera jamais assez. Merci. Et moi, en fait, voilà, je veux profiter de ce moment-là pour te dire du fond du cœur, vraiment, merci, merci, merci. Mais là, moi, j'ai envie de savoir, Kabinda, tout ça, machin, on en a trop parlé. Moi, je veux pas que l'interview tourne autour de ça. Dans la présentation, forcément, on ne peut pas parler de toi sans évoquer ce sujet. Non, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me Comment dérange dire? pas. Mais quand même, voilà, c'est du genre, c'est sûr que ça influence un peu ce que tu fais après, forcément, complètement même, je dirais. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut regarder, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut voir. Et moi, j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau dans la narrative, dans la discussion autour de ce que tu N'y as a pas de de problème. ta carrière. Donc, du coup, ce qui m'intéresse, c'est déjà de comprendre les débuts. Comment ça commence le foot à la maison, en l'enfance, c'est du genre, à quel moment tu commences le foot, à quel moment tu te dis, je veux être gardien de but. Parce que quand on est petit, personne ne veut aller au but, tu Ouais, vois. c'est On veut vrai. jouer devant, on veut être le buteur et tout. Raconte-nous un peu comment les débuts, ça se passe. En fait, moi, bon, quand moi j'étais petit, je jouais au foot, comme tous les jeunes enfants de Lomé, comme tout jeune Africain, c'est quelque chose d'inné chez plusieurs, le foot de rue. Et avec le temps, tu vas te performer et tu vas apprendre des gestes. À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça, tu vois, ça vient tout seul. Et moi, j'étais un bon joueur, sans être prétentieux. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner, mais j'étais pas rapide. Je peux dribbler et puis se moquer de mon adversaire et tout ça, je faisais ça souvent. Et après, bon, j'ai travaillé le physique et tout ça, mon physique et tout ça, mais ça prenait pas. J'avais un entraîneur aussi qui me disait, bon, je suis bon, mais il veut pas me faire jouer, il me fait jouer que 10, 15 minutes pour amuser la galerie. Bon, de ces quatre, il a décidé de me mettre au but, quoi. Et puis, comme je touche à tout,
J'ai fait du basket, j'ai fait du tennis et j'ai fait plein de sports, quoi, tu vois. Donc, OK. du coup, je suis rentré dans les buts comme ça, mais tardivement. Tardivement. Et moi, j'ai commencé à aller au but, j'avais au moins 15-16 ans. Ah oui, tu as commencé à aller au but à seulement 15-16 ans. Ouais, dans ces alentours, là, j'étais encore mineur. Et première année, j'ai joué en Ligue 2 et sort de Lomé. Et deuxième année, je suis parti directement à l'Étoile Filante. Et ils sont venus payer. Et je dis ça souvent à mes copains que je suis le plus gros transfert du quartier parce que ils m'avaient donné 500 000 à l'époque. Et L'étoile filante avait payé 500 000 500 000, à ils avaient l'époque donné pour que à tu pars l'essor de de... Lomé. Ah Et j'ai oui. négocié avec. D'ailleurs, je fais un coucou à Monsieur Lawson Gallus, qui était mon président à l'époque, et il avait pris les sous, il avait partagé, il m'avait donné un peu, je pense qu'il m'avait donné peut-être 200 000 ou 100 000, Carrément. et le reste, il avait partagé. Bon, c'est des sous, moi, j'ai jamais touché. Et tu te rappelles ce que tu avais fait avec cet Ah argent? ouais, je me rappelle comme c'était hier, j'étais parti à Hyderabad, acheter Acheter des fringues. des fringues, et boire mon vitamine Zobon, des trucs comme ça. Ah Et ouais. manger chez la maman d'Arène et puis boire mon cocktail. À l'époque, tu manges quand tu bois du jus de fruits, c'est toi le Tu es boss. le boss, tu es le boss, tu es le Donc, boss c'était ça à incontesté. l'époque, quoi. Bah, c'était ambiance bon enfant. Moi, pour nous, on jouait, c'était une passion avant tout. Donc, on rêvait. Bon, c'est vrai qu'avec des copains, il y en a un qui est aux États-Unis. Bon, c'est un petit frère aussi, Solo Béton, on l'appelle. Et à chaque fois, on faisait des cours, des maths et tout ça. Moi, je chantais juste l'hymne national parce que je lui disais, moi, tôt ou tard, tu vas me voir dans les cages des éperviers. Si tu veux, tu peux lui demander. Je vais lui passer son numéro. Il va témoigner. Et je lui disais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que faut pas avoir peur. Bah, tout le monde se doutait de moi. Ouais, t'es nul et tout ça. Et je dis non, moi je sais où je vais aller. Donc c'était comme ça. J'avais cette motivation en moi qui me poussait, quoi. Et puis je dis aussi un truc, c'est que le verbe est cher des fois. Quand tu poursuis quelque chose et que tu travailles, que tu le répètes tout le temps, un jour tu vas le faire sans le savoir. Ouais, je suis complètement d'accord parce que, bon, tout à l'heure, avant le début de l'enregistrement, on a parlé de ce que je faisais comme profession. Et moi, en fait, quand on me demandait depuis l'époque ce que j'avais envie de faire, je disais que c'était ça. Je veux travailler dans cet environnement-là. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais finalement, je suis tombé là. Complètement par hasard. C'est comme c'est une histoire complètement folle. On va pas en parler ici parce que l'honneur te revient à toi. La lumière est sur toi. Mais je suis complètement d'accord avec le fait que en fait quand tu à force de répéter des choses en fait et Et d'y de croire et de travailler. travailler dessus en fait ça finit par se Moi, passer. j'ai fait la guerre à ma famille pour ça. Moi, j'étais même enfermé au commissariat central par ma maman parce Ah qu'elle oui. voulait que je fasse la G2. Et toi, tu... En Non, fait, moi, c'est... j'aimais pas trop. J'aimais Ah pas trop ça. et je disais, bah, moi, j'aime pas les calculs déjà et faire la G2, la comptabilité, C'était un pas ton chiffre qui problème. manque. C'est foutu, quoi. Et comme j'étais un petit peu tête en l'air, et je suis le Benjamin, hein, et j'ai quitté la maison très tôt. Ah J'étais oui. parti louer une maison à Topeng-Badago, là-bas. Je payais 4 500 par mois. Et tu allais au foot. Ouais, j'allais au foot, mais j'allais aussi à l'école parce que des fois, quand c'est chaud, je passais à travers les fenêtres pour aller chercher Gary, Eric et maman quand elle est au boulot. Ma Ah mère, elle oui. était au ministère des Finances à l'époque. Donc, c'était un parcours un peu atypique parce que, bon, moi, j'aime pas rester sur place. J'ai la bougeotte. J'ai la bougeotte et c'est ça qui m'a poussé aussi d'être debout devant toi ici parce que le jour où on m'a dit je vais plus jamais marcher. J'ai dit non, Tu c'est as dit faux. jamais tu vas marcher. Donc, voilà, tant que tu conditionnes ton cerveau et que tu respectes ton hygiène de vie, tu vas y arriver. Ouais. En tout cas, c'est très intéressant. Je pense que cet élément-là, on l'a pas. Je ne l'ai en J'ai fouillé. Hein. J'ai essayé de trouver des interviews, ça et là, en préparant cet entretien, et j'ai pas trouvé ces éléments. Et c'est justement pour ça que moi, j'aime avoir en fait, comment dire, ces retours sur les débuts de carrière et tout ça, parce que je suis sûr que
À 100%, on a toujours des petites anecdotes. Et puis, le coup du premier gros transfert De l'essor à l'étoile de filante. l'essor, toi, l'étoile filante, c'est fort. Et tu m'as un peu dévancé sur une question que je voulais te poser toujours par rapport à tes débuts. Ce que je demande souvent, c'est comment est-ce que la famille, en fait, reçoit l'info? Quand tu dis, non, moi, vos projets pour moi, voilà, vous les gardez pour vous, moi, c'est le foot, mon affaire. Là, je comprends qu'à la maison, c'était pas facile avec maman, elle n'était En pas fait, d'accord. moi, je suis le dernier de la famille. J'ai des demi-frères et tout ça, hein, mais du côté de maman, je suis le dernier. Donc, du coup, le problème, c'est que moi, je parlais pas beaucoup à l'époque. Je suis souvent calme. Même des fois, on me traitait de soumière, on me traitait de n'importe quel nom, mais moi, je disais rien parce que, voilà, je disais un jour vous allez voir, un jour vous allez voir. C'est ça qui résonnait dans ma tête. C'est vrai que, c'est comme s'il y a quelqu'un, tu le vois, il est basique, il est là, il va à la plage à 5 heures du matin, il prend ses affaires, à 6 heures il va en cours, il marche, ou des fois, il court pour aller au sport, tout le monde le traite de fou, que lui pense qu'il va faire le foot. Personne comptait sur moi. Je vous dis la vérité. Personne. Jusqu'au Même pas la jour. famille. Non, parce que la famille, ils ont la position. Ils ont la position de c'est études, études, études. Études. Je dis, mais je vais faire les études, je sais parler, je sais compter, moi, ça me va. Tu vois? Et c'était ma vision, mais je pense que j'étais révolté. Aujourd'hui, je dirais, si un de mes enfants me disait ça, je lui dirais, non, faut pas faire ça. Moi, j'encourage pas les gens à prendre mon parcours, mais je dis juste que c'est ce qui m'est arrivé. J'étais peut-être un petit inconscient, entre guillemets, mais j'ai été sauvé par mon étoile, même s'il y a des moments douloureux dedans, mais j'ai été sauvé quand même parce que j'ai la chance de te parler aujourd'hui. On est là, on parle, mais c'était dur pour moi à l'époque, très dur. J'ai Et même compris. dans mon quartier où on jouait, j'ai des copains, ils me chambraient. Même s'il y a quelqu'un qui me voit dans la rue, il dit, ah, c'est notre grand gardien. Si je suis avec un vieux copain, il va rigoler jusqu'à, il va pleurer. Il va dire, lui, il a pris des douilles dans les buts. Je vous dis pas. Lui, il est bon. Et je disais, vous êtes con parce que vous me traitez de nul, mais vous savez pas, on était petits à l'époque. Là, je suis plus la même personne. Vous voyez un Ah peu? ouais, Donc, non. c'était l'histoire, quoi. C'était une histoire. C'est Et au moment où j'ai commencé à s'acheter des fringues, à sortir, à aller en boîte tôt, et à me saper en prenant soin de c'est là moi. que les gens se sont dit, bon, il y a quelque Là, chose qui se passe ouais, là un la famille peu. a dit, lui. Après, Les... j'étais parti au Nigeria, on a joué là-bas. Avec le Togo? Non, avec l'étoile Ah, filante. ok, d'accord. Et on a joué contre l'équipe championne. C'était la première fois que je vois une foule immense, Au 60 000 stade. personnes. Ça crie. Je me rappelle à l'époque, il y avait le grand là, Wadian Lantam. Et lui aussi, il était là avec nous. Il était rentré pour jouer un petit peu avec l'étoile. Et il nous a dit, vous voulez faire carrière, c'est ce qui vous attend. Parce que les bruits là, ça résonnait sur la tête. C'est pas facile, hein, parce que Ah les gens, ils regardent la télé, ils sont au oui, stade. justement, Le mais... bruit que le public y fait. Si tu n'es pas concentré, si tu n'as pas fermé tes ondes là, non, Mais c'est pas, tu. moi je me dis, c'est peut-être une motivation. Moi j'ai toujours eu envie d'avoir cette expérience-là, de tenter au moins une fois dans ma vie de jouer devant un stade plein. Mais Non. moi, pour moi, ça, je me dis, Non, le c'est... problème, c'est que c'est l'équipe adverse. On C'est s'en pas nos fout. L'essentiel, c'est supporters. du bruit. Oui, mais sauf que le bruit là, c'est pas destiné à nous. L'équipe, il peut vous chambrer, tout ça là. Si t'es pas concentré, c'est pas tout le monde qui supporte la pression. On est Ok. bien d'accord. Oui, bien C'est sûr. une pression énorme. C'est une pression énorme. Si on revient même à la Coupe du Monde, tu sors, on se parle comme ça, mais on s'attend pas. Hein. Ah Ah oui. oui. C'est phénoménal. Oh là 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 là. En tout C'est cas, franchement, pour ça, moi, je vous envie. Hein. Franchement, des moments de ouf. je vous C'est des envie, je moments vous à envie, je vivre. vous envie. T'as pas vu, des fois, il y a des joueurs qui sont mieux dans la tête. Eux, ils adorent ça parce que ils se disent ce soir, c'est ce soir, quoi. Vous voyez, c'est comme ça. Non, C'est le foot. en tout cas, ça, c'est un beau témoignage. Et peut-être qu'on va revenir dessus encore après, mais je ne sais pas si on aura le temps.
Mais voilà, et pour finir cette partie sur les débuts qui nous a permis de voyager quand même un tout petit peu, je voulais te demander à quel moment quand même, bon, du genre tu me dis quand tu commences en fait par changer, de pas porter d'autres frais, de pas t'habiller, pas mieux t'habiller et tout ça, on se dit il y a quelque chose et tout. Mais à quel moment les parents sont ou la famille est complètement convaincue à que celui-là, il est arrivé là où il avait envie d'arriver, et maintenant on le laisse partir, on le laisse suivre sa voie. Le moment où les dirigeants de l'étoile filante sont venus et De te chercher à à l'essor, la maison, à la maison, ok. oui, parce que j'ai dit mais je peux pas parce que c'est chargé l'emploi du temps à l'école et tout ça, et maman ça rigole pas. Il dit on va venir la voir, et ils sont venus, Ok. et ils sont venus, ils ont parlé à la maman. Et tu sais, il y a des dirigeants, des fois ils ont ce flair. Quand ils voient un joueur, ils devinent déjà ce qu'il peut faire. Chacun a son point fort. Donc, ils ont dit à la maman que votre fils, on sait que lui, on l'a vu jouer, on sait ce que ça va donner. Parce que moi, je dis toujours, l'étoile filante, j'étais passé là-bas, on a joué contre la GENA. La GENA, c'est l'équipe policière à l'époque. Oui. Et moi, j'ai pas fait grand arrêt, hein. J'ai juste fait un contrôle de pied. Et le directeur sportif, il m'a remarqué. J'ai fait un contrôle. Juste un contrôle de Juste pied. un contrôle. Parce que il y avait un ballon qui est parti de l'autre côté. Le gars, il a frappé en l'air, en louche, mais c'était parti directement sur moi. Et tu sais, quand il y a des dégagements comme ça, les attaquants, ils suivent le ballon. Donc, moi, j'ai contrôlé le ballon, qui est, je sais pas, peut-être à 15 mètres de hauteur ou même 20 mètres de hauteur. Et ça vient en cloche comme ça sur moi. Et j'ai contrôlé le ballon. Je l'ai poussé dans la course des deux attaquants. Je les ai éliminés. Ils se sont glissés en même temps et tombés. Et j'ai fait une passe. Après, il y a le public qui a dit, tu attends, on dirait, il y a pas de mouche qui passe, quoi. Il y a juste le bruit des mouches, tu vois. Ah Et je ouais, me dis, ils ont eu peur, ils s'est dit Mais celui-là, il qu'est-ce attaque, qui, ma fille, tu ouais, tues. qu'est-ce qu'il vient de faire? Donc ça a été ça. Et après j'ai fait la passe. Après à la fin il est venu me voir. Il m'a dit t'es joueur ou t'es gardien? J'ai dit je fais les deux. Et il m'a dit toi on te veut. Ah ouais. Et tu vas être notre remplaçant Agassa. Tu vas remplacer Agassa pour moi. Ça. Parce Allez, parce que justement, d'abord, qu'Agassa était à il l'étranger. était à l'étoile filante avant Ouais, de partir. exactement. Du coup, quand tu as commencé, tu étais son gardien remplaçant. Non, c'est-à-dire que eux, ils disaient j'allais le remplacer, il était déjà parti à Africa Ah, lui, il Sport. partait déjà. Il était déjà parti, Ah, il ok, était déjà d'accord. à Africa Sport Oh, d'Abidjan. d'accord. Il était déjà. Donc, en fait, il cherchait le nouveau Ouais, un Agassa, pour profil. dire. En tout cas, bah, c'est très intéressant tout ça. Et ça nous emmène maintenant sur la deuxième partie de ta carrière où, voilà, on va parler vraiment de. J'ai préparé trois, quatre questions comme ça qu'on va aborder. Et je vois que, bon, du coup, en fait, sur Internet, ce qu'on voit, c'est que tu as commencé. Bon, on présente d'abord les essais que tu as eus à Niort et puis à Lorient. Donc, selon ce que je comprends, en fait, il y a d'abord eu Essor et ensuite, il y a eu l'étoile filante. Et après, donc c'est en 2001 maintenant que tu vas faire les essais à Niort. Tu restes un an à Niort. Et puis après, tu pars à Lorient où voilà, tu restes aussi un an ou quelques mois. Exactement. Et après, tu reviens à Lomé. Du coup, moi, ce que je veux savoir, c'est du genre, avec le niveau que tu as, qu'est-ce qui manque en fait, qu'est-ce qui te manque à Niort ou à Lorient pour être retenu? Qu'est-ce qui se passe en fait? OK. Parce que des fois, ce n'est pas seulement le talent. C'est du genre, tu arrives, c'est un nouveau pays, il fait froid, machin. Genre, il y a beaucoup de choses. Donc moi, j'aimerais comprendre en fait, qu'est-ce qui fait que les essais ou les périodes en fait dans ces deux clubs-là ne sont pas concluants? Ok, je vais aller tout droit dans le mur. C'est-à-dire que quand moi j'étais arrivé à Niort, j'allais sur mes 18 ans. Quand j'étais arrivé à Niort, j'allais sur mes 18 ans. L'entraînement était bien, tout le monde disait, ouais, il est bon, il est bon, il est bon. Ils m'ont pas retenu parce que les gens ils disent, ah ouais, il a raté le test et tout ça. Non, c'était pas ça. Ils m'ont pas retenu parce que je montais sur mes 18 ans, et à 18 ans, je dois être déjà professionnel. Je sais pas si vous voyez. Et les jeunes gardiens qui étaient là avant moi, ils avaient 16, 15, 17. Donc eux, ils sont plus prioritaires que moi. Et puis moi, j'avais des petites lacunes techniques.
J'ai Des trucs tout. en fait que tu apprends en centre de formation. Or, toi, tu n'as Exactement. pas fait le centre de Moi, formation. c'est-à-dire que je suis un gardien et presque complet, mais ils vont pas prendre 6 mois pour apprendre les techniques et tout ça. Et les techniques, c'est quoi? C'est la synchronisation, comment se positionner, comment réduire la cage, des trucs comme ça, des trucs tout petits. Mais bon, c'est des trucs que moi, je peux assimiler vite. Et puis, il faut se dire aussi que quand les formateurs, ils veulent se séparer de toi, parce que c'est pas que tu n'es pas bon. C'est pas que tu n'es pas bon. Tu fais 3 fois plus que leurs enfants. Mais si les enfants étaient là avant toi et que toi t'arrives, on te montre en pro, tu vas t'entraîner, les pros disent, mais toi t'es déjà en sélection, tu fais des trucs comme ça. Ils sont fans de toi, mais sauf que ces enfants-là sont prioritaires sur toi. Moi, je disais à l'époque, si j'avais, tu sais, avec les si, on peut faire beaucoup de choses. Si j'avais 17, 15 ans, je suis sûr que j'allais rester Tu allais rester, tu allais jusqu'au. devenir professionnel. Parce Exactement. que je me dis, toi tu arrives à peine, tu vas sur tes 18 ans, ils sont obligés, selon la loi, de te donner un contrat professionnel. C'est pas selon la loi, selon le je sais pas comment dire. Comment dire, les... Dans leur organigramme. Dans leur, ok, selon l'organigramme, en fait, à À 18 ans, tu 18 ans, dois avoir un contrat voilà. professionnel. Il y On ne avait... garde pas les gens jusqu'à 18 ans dans les Ok. centres de formation. Ok. Tu vois, on ne garde pas D'accord. les gens jusqu'à Tu 18 ans. vois? Moi, je n'ai pas fait la formation. J'arrive directement comme, bon. Moi, j'étais un peu surclassé, je veux dire. Je jouais déjà avec les grands. Je dis aux jeunes que je joue en D1, ils disent, ah ouais, avec les grands et tout ça. Je dis, oui, je joue avec les grands. C'est ça. Donc, c'est ça qui a fait qu'ils m'ont dit, bon, ils ne pourraient pas me garder, qu'ils sont désolés, ils savent pas quoi faire, ils cherchaient les mots, tout ça, parce qu'ils savaient que j'étais un jeune. Ça sentait dans mon regard que j'étais déçu. Et après, j'étais parti à Lorient avec mon agent. Et arrivé à Lorient, je m'entraînais avec l'équipe réserve. Après, j'allais en pro. Et bon, il s'est passé plein de choses là-bas, tu vois, qu'aujourd'hui je découvre et que je me dis, mais ok, d'accord, c'est ça le professionnalisme en fait. Il faisait tout pour me casser en fait. C'est-à-dire que je faisais l'entraînement, c'est-à-dire qu'il te poussait à bout. C'est-à-dire que tout le monde disait. Dans les centres de formation, moi, je vais dire un truc, c'est que aujourd'hui, les jeunes qui rêveraient d'aller à l'étranger, aller avec l'âge idéal, sincèrement. L'âge idéal, c'est quel âge? 15, 16. Ok. Même 15, c'est bon. 15 ans, c'est mieux. Oui. Parce que les 2 ans-là, tu vas assimiler beaucoup Beaucoup de de choses choses. et tu vas être habitué par le monde et tout ça, le monde qui est là-bas et tout ça. Les gens, ils vont plus. T'arrives, tu commences à tout déchirer. Tu es là, tu es fort sur ta ligne et tout ça, tout ça. Tu as appris quelques bases à Nyon et tout ça, tout ça. Eux, ils sont d'accord avec toi. Sauf que là-bas, il y a encore des jeunes qui étaient là-bas. C'est comme si c'est une politique, en fait. Tu vois? Donc, moi, j'avais compris. Et je me suis dit, mais c'est pas grave. Et puis après, j'ai eu quelques problèmes avec mon agent et j'ai décidé de partir et j'étais parti livré à moi-même. Et tu es revenu à Lomé. Non, j'étais pas revenu à Lomé. J'étais parti, je dormais à droite à gauche. OK. Chez les joueurs, au foyer des jeunes et Ah tout ça, oui. parce que le problème était chaud entre Oh, d'accord. nous. Ouais. Donc, du coup, les problèmes étaient tellement chauds avec l'agent que tu n'avais même pas la possibilité de Ouais, il m'a dit, revenir. tu connaissais du monde ici apparemment, parce que moi, avant de partir en Europe, sans être prétentieux, j'étais pas un gaou, hein. J'avais les yeux comme un hibou. J'étais pas un gaou parce que à Lomé, je savais ce que je faisais avant. OK. Je savais ce que je faisais, je savais avec qui j'allais. J'étais dans un quartier où, voilà quoi, c'est la street. Les grands frères, ils étaient là, tu avais la voix et tout ça, tout ça. Donc, ça dérangeait beaucoup. Même quand j'étais en sélection, ça dérangeait. Parce que j'étais pas un petit où Tu ne restais pas, tu vas voilà. lui parler, il va dire oui, grand frère, tu me parles ce qui va pas, je vais te dire non, grand frère, ce que tu Ça dis, ne c'est pas marche vrai. pas. Et tu vas pas m'intimider, j'ai pas peur de toi. OK. Parce que j'étais déjà là, quoi. Dans Tu ma avais tête, tout. déjà le Ouais, mindset. voilà, exactement. Donc, tu viens, je te respecte, mais n'essaie pas de m'écraser parce que tu es plus âgé que moi. Et ça me jouait des tours.
Même l'agent, je te raconte l'anecdote. Il a appelé Lomé, il a dit, qu'est-ce que tu m'as ramené? On dirait, ça fait 10 ans qu'il est en France. Ok. Parce qu'il voulait m'acheter des fringues à Babou. Et j'ai dit, non, moi, je mets pas des jeans comme ça, là, où des poches tombent jusqu'au mollet. Et moi, je mets des Levi's et des Wrangler. Parce que, bah, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? J'ai dit, je veux ça, et puis il a pris peur. Ah ouais. Ouais, il a dit, lui, là, c'est pas un gars où. Bon, après, bon, il était pas fâché, hein, mais bon, on a rigolé, lui aussi, il a rigolé. Et j'attendais au téléphone, il rigolait et tout ça. Il dit, ah, lui, il est... Même arrivé, quand on a atterri, et j'étais sorti, tranquille, à Roissy. J'étais sorti, et puis je l'ai vu, il m'a dit, ah, t'as fait comment? Je dis, mais Non, parce que généralement, voilà, tu as suivi ouais. les instructions tout Ouais, simplement, c'est quoi. tout. Alors que généralement, les gens qui arrivent souvent, ils sont Ouais, super. perdus, Moi, j'étais voilà. pas perdu. Tu J'ai arrives, traîné tu connais avec déjà des tous les enfants des vibes. barons ici, et ils me parlaient déjà de la France. Ils m'amenaient des Nike et tout, des Air Jordan. Donc, Voilà, mais j'étais bien entouré avant de partir. Donc, du coup, ce que je vois, c'est que après cette période-là, voilà, du genre, c'est fini avec Niort, c'est fini avec l'Orient. Sur Internet, ce qu'on voit, c'est que tu reviens à l'étoile filante. Tu es revenu, déjà, les essais n'ont pas marché, tu reviens à l'étoile filante. En ce moment, le championnat togolais roulait encore Ouais, tranquillement, il n'y mais avait j'ai pas trop de oublié, soucis. c'est lui qui voulait que je rentre. Ah, ok, c'est lui qui a demandé Ouais, à à ce ce que que tu je rentres pour rentre. continuer Il de a tout jouer, garder fait, il le a pris mon rythme. passeport et tout ça parce que j'étais trop speed, il croyait Ah, que voilà. j'allais fuguer. Tu allais figuer trouver une des solutions Ouais, là. mais moi Peut-être j'ai qu'il avait pas. Non, il raison. avait pas raison, j'avais même pas ça en tête. Ok, Moi j'ai mais tu. appelé mon frère André, j'ai dit je vais rentrer. Ah, donc même toi, tu avais l'idée de Ça me faisait rentrer. pas peur. Ok, d'accord. Mais en même temps, c'était un choix payant parce que finalement, Oui. c'est quand tu reviens à l'étoile filante que tu rentres J'ai redémarré. dans la sélection nationale et puis Ouais. tu participes Ouais. à cette année 2005-2006 extraordinaire C'est ça. du Togo. Et maintenant, après, quand même, tu es international en Oui. 2006. Oui. Tu as participé à la Coupe du Monde. Oui. Tu as vu Zinedine Zidane. Vous vous Oui. êtes serré la main. Oui. Tu as l'étoile filante. Oui. Ça va plutôt pas mal, du Ouais. genre. Mais pourquoi revenir en France au CS Quevedon, sans respect, sans manquer de respect au CS Quevedon, qui est un club régional, en fait, c'est Parce que, amateur. ouais, parce que quand j'étais arrivé, je vais vous expliquer, quand j'étais arrivé, en fait, moi, j'ai pas peur de recommencer, hein, recommencer un Ok. truc. Et c'est vrai que CSK20, moi, j'avais froid dans les buts et c'était pas mon délire. Je vais vous expliquer ça dans nos échanges. Quand j'étais arrivé chez lui et il s'est passé encore quelque chose que je préfère ne pas le dire parce que pour son respect, OK. et pour respecter le grand monsieur qu'il est, OK. parce que mine de rien, il m'a fait du bien aussi. Même s'il y a eu des petits OK. bavures entre nous, tu vois. Mais je Sans respecte. laisser ça de côté. Voilà. Donc, après ça, j'étais encore livré à moi-même. Au Et CSK j'avais vend. au CSK20, j'ai atterri au CSK20 parce que je suis tombé sur une fille. Une femme dont j'ai même parlé avec elle aujourd'hui où je vous parle, Ah et ouais. c'était la mère de mes enfants, Ok. et je la respecte beaucoup. Cette femme, je la dois à vie. Ok. Et je le dis, je le répète, cette femme, je la dois à vie. Ok. Parce que quand on s'est vu, je lui ai dit que je suis un fouteux, il a vu mon CV, il m'a dit, qu'est-ce que je fais à Lorient ici? Qu'est-ce que je fais alors? J'ai dit, c'est la vie. Après, on a parlé et tout ça, et je lui ai dit ma situation. J'ai dit, vous savez quoi? Moi, j'ai plus de séjour, j'ai rien du tout. Mais je voulais rentrer dans mon pays. Et mon frère m'a dit de rester là-bas, et tout le monde m'a dit de rester, de me chercher, tout ça. Que moi, j'aime pas galérer. On a discuté et tout ça. Et cette dame m'a dit, on s'est rencontrés en boîte de nuit. Hein. Elle m'a dit, tu fais quoi ce soir? J'ai dit, je rentre chez moi. Mais j'avais pas un chez. Il me dit, bah, ça te dirait de venir avec moi, prendre un café, after et tout ça. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème. J'étais parti. Et en faisant comme si j'avais un chien, il faut que je rentre. Mais non, dors sur le canapé. Je ne vais pas te violer, hein, t'inquiète pas et tout ça. Il a tout fait, il a tout fait. Le lendemain matin, il est parti, il m'a laissé un mot. Il m'a dit, laisse la clé dans la boîte aux lettres. Si tu veux, tu peux rester. Tu es quelqu'un de bien, je le sens, tout ça. J'ai dit, ok, d'accord.
suis resté jusqu'à leur retour avec sa fille, qui est aujourd'hui ma fille, parce que elle connaissait pas son père, l'a jamais vu. Elle m'a toujours considéré comme son père. Cette fille, elle a 20 ans aujourd'hui. Elle travaille, c'est elle qui s'occupe de tout là-bas pour moi. Et elle prend bien soin de moi. Donc, c'était ça l'histoire. Et c'est elle qui m'a ramené au CSQ parce que sa maman travaillait là-bas. Arrivé là-bas, ils m'ont dit, nous, on n'a pas l'argent à te donner, on n'a rien du tout. Tu viens, tu manges, tu joues au foot, tu bois de la bière, on rigole, ambiance bonne enfant. J'ai dit, mais à une condition, trouvez-moi un boulot. Je vais jouer pour vous gratuitement, il n'y a pas de problème. Et ça s'est passé comme ça, j'ai joué pour eux. Et eux-mêmes, ils me disaient, Doudou, tu vas pas rester ici. Ça fait 6 saisons, je dis n'importe quoi. Ça fait 6 journées, 7 journées, t'encaisses pas de but. Et tu nous as dit que t'as froid aussi dans les buts et tout ça. Des fois, tu sortais pour jouer et tout ça. Mais on sait que tu vas pas rester ici. Et il y a des clubs à côté qui me cherchaient à l'époque. Et j'étais parti À à Pontivy, Pontivy. en CFA 2. En CFA 2. Et donc là, Non, bon, ils étaient en CFA à l'époque. ah, ils étaient en CFA plutôt, c'est après qu'ils sont redescendus en CFA. Ils ont fait l'ascenseur, ils allaient, ils Voilà, venaient, ils allaient, ils exactement. venaient. Ok, donc du coup, quand tu arrives à Pontivy, bon, Pontivy, c'est déjà CFA à l'époque, je pense, c'était Ouais, troisième c'était. division, Ouais, hein, si c'est je ne me trompe ça. pas. Donc c'est Hein, ouais. En dessous déjà, de la troisième voilà, division. juste en dessous de la troisième division, après le national, c'est ça? Ouais. Donc là, c'est quand même déjà un peu plus Ouais, sérieux et c'était tout sérieux, ça. ouais. Et c'est en fait là que tu reviens en sélection. Parce que tu Exactement. arrives à Quevon, Même tu à sais. CSK20, je venais en Ah, sélection. tu venais en Je sélection. venais en sélection. Ouais, Ah! ouais. Je Ah venais en ouais. sélection avec mon récépissé de 3 mois. Ok, Ouais. d'accord. Parce que bon, les rumeurs circulaient comme quoi j'avais pas de papier et tout ça. Je revenais. Moi, Ok. j'ai pas honte. Je revenais et tout ça. D'accord. Et quand j'arrivais, les entraîneurs, ils disaient, tu jouais où? Je disais, CSQ. Ils me disaient, ben, c'est où ça? C'est où ça? On connaît Et pas. après, ils vont chercher, ils vont dire, mais qui t'a appelé? Qui t'a Ah. appelé ici en sélection? J'ai dit, mais c'est la Fédé. Et quand ils me disaient ça, au sélectionneur, j'ai dit, ben, coach, il n'y a pas de problème, on va voir sur le terrain. Et quand je monte sur le terrain, ils me demandent, qu'est-ce que tu fais à CSK20? C'est ça en fait. J'ai Parce que, bon, moi, CSK, franchement, 2006, moi, je ne te connaissais pas. Bon, on connaissait plus le 11 du Lair et tout ça, Ouais. Agassa Kossi, et puis c'est tout. Et puis il y avait Tchaguni, c'est Tchaguni Baba, non? Non, lui, il est venu après. C'est Voilà. Tchaniru. Chaniru, ok. Tchaguni Baba, il est plutôt venu vers les 2000, 2010 là-bas. Ouais, c'est ça. Donc, Ou tu parles de Salifiou. ah, franchement, je Il y ne saurais avait te le dire. Salifiou. Ouais, ça, c'est Mais les c'est du genre, gardiens. en vrai, c'est du genre, c'est eux que moi, enfin, c'est Ouais, eux que je bon. vois, enfin, même le gardien numéro 2, comme tu vois, franchement, je connais Ouais. pas. C'est normal. C'était Agassa, quoi, Oui, Agassa oui. National et tout Ouais, c'était ça. notre Et idole à tous. puis, Hein. voilà, c'est tout. Tu vois? Donc, en fait, ces moments-là, en fait, passent. On ne te connaît pas, en fait. Même en 2008, tu dis, tu continues à venir. Moi, je ne te vois pas. C'est 2009, un peu avant 2010. Je ne sais pas si, je ne me rappelle. Bon, dans ma présentation, je disais que les performances de Agassa n'étaient plus bonnes. Mais je ne sais pas si c'était que ses performances avaient baissé. Mais je sais que pour une raison ou pour une autre, il ne jouait plus. Non, mais c'était pas sa performance n'avait pas baissé. Genre, il y avait, je Il y avait sais, un problème il y avait, interne. voilà, il y avait un problème, il ne jouait plus. Je pense Tchaguni a joué un ou deux matchs, je ne sais plus. Et puis c'est là qu'on te voit rentrer en jeu aussi. Non, Et Tchaguni, il est là, venu après, hein. il est Baba, venu après. oui, Baba, il est venu après, il est Ok. venu. Baba, il était venu avec nous lors de la CAN 2010, là. Ah, c'est seulement Oui, pour la CAN oui, oui. 2010 qu'il est venu. Ok, Ouais. d'accord. Donc, peut-être que je me trompe un peu sur l'exemple, ou peut-être même que je suis en train de j'ai la mémoire d'un Ouais. match qui est venu après Je me 2010 rappelle, même. Tchababa, il est Mais venu en 2009, voilà. il était en Ligue 2. Il était en Ligue 2 en Oh, France. ok, d'accord. Ce dont je suis sûr, c'est que pendant cette période-là, 2009 et tout ça, je sais que c'est là que je te vois jouer pour la Ouais, première c'est fois. ça, Mais exactement. vraiment, du genre, nous avons tous cette impression-là, c'est du genre. Waouh, que c'est du genre, c'est quel. Nous tous on dit, mais Agassak aussi doit être le bon, parce que toi tu es trop fort en fait. Tu Non, vois? c'est comme ça, Donc, mais. c'est du genre, et je me dis, comment ça se fait? Parce qu'on regarde les clubs, on regarde celui-là, il joue où? Moi je vois Pontivy, Pontivy là c'est où? Moi je suis un grand fan de Non, l'Olympique mais Lyonnais. Hein. c'est Je suis un normal. grand fan de l'Olympique Lyonnais, je vois Pontivy, je dis, mais attends.
Genre, toi, tu es là, tu joues en CFA 12, CFA 2, machin. J'ai dit, mais non. Ça a Mais fait la même impression à Samuel Eto'o aussi. J'ai dit, ah, tu as joué contre, tu as joué face à lui. Il m'a dit la même chose. Mais c'est du genre. Donc, après, franchement, moi, je me dis, quand même, au moins cette période-là va passer. Il y a la CAN qui arrive 2010 et franchement, l'équipe était au point, comme on disait, comme je disais tout à l'heure. Je me dis, bon, au moins la CAN là. Bon, Inch'Allah, tu vas être le titulaire, et puis tu es titulaire, tu continues titulaire, et puis voilà, tu fais tes matchs, c'est sûr que ça va se Moi, passer. j'avais Tu des vois? ouvertures même avant d'aller à la CAN. Ah ouais. Ah ouais, j'avais des Et ouvertures. tu peux, genre, il y avait quel J'ai, club il y avait à l'époque, il y avait Jonathan Ayité qui était à Brest, qui me, il Qui y avait le permet, qui directeur les aide. technique Ok. avec qui j'ai parlé. Ils m'ont parlé D'un de projet. signer. Lana allait partir à Lille à l'époque. Ils cherchaient un deuxième ou un premier. Ils m'ont fait une proposition, mais dans la clause, tu ne dois pas aller à la CAN. Ah oui, Ouais. et tu as dit non. J'avais Ajaccio aussi. J'avais Ajaccio. En fait, le problème, il y a quelque chose que moi, je comprends les supporters. C'est, moi, j'ai pas peur de jouer dans un petit club. Parce que quand tu sais que tu peux donner, que tu sais ce que tu vaux. Moi, par exemple, moi, je vais en sélection, les sélectionneurs, ils sont tout le temps étonnés. Ils me demandent que, qui t'a invité? Qui t'a, c'est-à-dire, ils te disent ça, bah, au second degré, quoi, tu vois, qui t'a invité, on ne comprend pas. Je réponds toujours, on va voir sur le terrain. Si je suis bon, si je suis pas bon, coach, je vais aller à Pontivy, je vais rentrer. Et quand je rentre, ils demandent, non, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas que je me glorifie ou je suis prétentieux, hein, parce que moi, j'aime le défi. C'est comme ça que je suis. Je me défie moi-même. Donc, même il y avait le Belge qui était arrivé, Jean Tissène, et j'espère qu'il est en forme aujourd'hui. J'ai noué de liens forts. Il y avait le Brésilien aussi qui est passé, qui m'aimait bien parce que eux tous, ils voulaient me trouver un club. Je te dis la vérité, ils voulaient me trouver un club. Le problème, c'est pas tout le monde qui est bon, qui sont dans des grands clubs. Ils ont leur qualité à eux. Et dans les clubs amateurs, c'est pas tout le monde qui est, c'est pas les gens mauvais qui sont là-bas. C'est des joueurs qui sont bons. Des fois moins bons, mais qui n'ont pas de chance. Ça se joue à ça, en fait. Ça, en fait, c'est ça, c'est du genre une carrière, un peu comme tu dis, Ouais. Brest, si tu acceptais de ne pas partir à la Ouais. CAN, bah, tu signais à Brest, peut-être que la carrière, la Ouais. trajectoire, bon, tu n'allais pas te retrouver à Oui, Kamindal, sinon mais ça allait le être problème complètement aussi, c'est différent. que je peux signer à Brest. Du moment où je signe à Brest, même si je m'assois sur le banc, les gens, ils vont dire, ah, il joue à Brest, hein. Il joue à Brest, hein. Ils oublient la qualité de la personne. On joue toujours sur le club où il est Où il est passé. Il y a des exactement. joueurs, tu connais, ils sont dans les grands clubs, ils sont pas bons. Mais en tout cas, ouais, Il y en a, ils sont pas il y bons. a mieux. On peut trouver mieux que. On va pas dire qu'ils sont pas bons, on va dire qu'on peut trouver mieux. Ben oui, voilà, il y en a, ils sont pas bons, mais ils ont pas leur place là-bas. Donc voilà, c'est En le foot, c'est effet. comme ça. En effet, en effet. Et puis, comment dire? Du coup, en fait, ce que moi, la troisième question que moi, je voulais te poser, c'est que dans cette période-là, en fait, genre, par rapport aux problèmes internes qu'il y a, tu arrives et tu joues. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es apprécié par les entraîneurs, même s'ils te connaissent, même toi, tu viens chercher quoi ici? Mais quand même, quand tu montes sur le terrain, tu montres et finalement, tu finis par jouer à cause des problèmes qui empêchent Agassa d'être le Voilà, titulaire. Tu exactement. deviens le titulaire. Et c'est en fait comme ça que tu arrives à la CAN, en fait. Et donc, nous, dans notre esprit, c'est que à la CAN, tu es le gardien titulaire, même si Agassa est là. Donc, la question que je me pose, comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ta relation avec Agassa et comment Agassa lui-même, il prend en fait cette situation-là En parce que ça doit être fait, très particulier pour lui. la question, elle est la bienvenue. Ce matin, j'ai parlé avec Agatha. Ce matin-là, j'ai parlé avec Gassa. Je peux même te montrer l'appel qu'on a fait. On a discuté au moins 15 minutes pour autre chose, pas Oui, pour le bien sûr. foot. En fait, c'est les supporters qui font ça. Gassa, c'est lui. Moi, je le dis haut et fort. Hein. Tout le monde m'appelait Gassa à l'époque. Hein. Je vous dis. Que ça soit à Essor ou à l'Étoile Filante, disait Gassa, le nouveau Gassa est venu. Mais c'est les supporters qui semaient la zizanie. Genre, un supporter va le voir, il va l'insulter, il va dire, ouais, t'inquiète pas, Dodo est là.
Tu peux partir, ceci, Mais cela. justement, c'était ça, parce que même moi, c'est dans cette posture-là, je me dis, façon, toi, tu es bon, gars, laisse ça. Dodo, il est là, il est. Je l'ai laissé Agassa de côté. Mais moi, j'ai un truc, c'est-à-dire, je le dis tout le temps. Moi, je suis pas plus bon qu'Agassa. Je le dis, hein, avec beaucoup de recul. Moi, je dis, même jusqu'aujourd'hui, quand on parle, je dis, ça me fait mal que Agassa a terminé sa carrière à Reims. Parce que ce monsieur, quel que soit ce qu'on lui reproche, hein, mais c'est un grand gardien. Ça, Bon, je on suis appelle d'accord. les. Franchement, je vais lancer une bombe. Je ne sais pas quelle tournure ça va prendre, mais je m'en fous. Edouard Mendy, il fait pas le poids devant Agassa. Sincèrement. Quelques gardiens africains que tu vas citer là, la nouvelle génération, ils font pas le poids. Ils font pas le poids. Sincèrement, hein, moi, je Non, me suis entraîné avec Agassa. Je connais mes qualités. Je vois ses qualités. Lui me dit que j'ai des qualités. Moi, je lui retourne l'ascenseur. C'est un très grand gardien. C'est dommage que il n'a pas joué en Angleterre, à Juventus. Il a ou des dans les qualités, il plus a des grands clubs. bagages. Sincèrement, hein, moi, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je sais ce que c'est que être un bon gardien, un grand gardien. Forcément. Il manquait juste un petit truc. Un petit truc, la petite chance, le facteur chance C'est dont on même parle. pas, c'est même pas la chance. C'est même pas la Et chance. c'est l'opportunité, en fait, C'est même pas non? Et l'opportunité c'est non quoi plus. alors? C'est-à-dire que ça appartient qu'à lui-même. Ah, c'est lui qui Non, aurait dû même peut-être. moi, je, Il a manqué, tu veux dire ça, qu'il a peut-être manqué je un ne peu peux, d'ambition, ça, il je aurait ne, dû. un petit peu. Parce que lui, apparemment, bon, moi de l'extérieur, je le vois, c'est quelqu'un, il ne se prend pas la tête, il est là, quoi, il fait Non, son c'est pas truc, qu'il tout se bien. prend pas la tête, c'est on peut dire que mon capitaine, il est un peu introverti. Ok. Les gens, ils le voient, ils disent, il sourit jamais, ceci, cela, mais moi, je sais que c'est un gentil monsieur. Très gentil. Mais vu la situation sociale du pays, le Togolais, il peut t'apprécier aujourd'hui, demain, te jeter. Moi, ça me fait mal, ça m'avait fait mal. Quand il voulait casser sa maison lors d'une CAN, je ne sais pas quoi, quoi, quoi. Tu vois? Donc, moi, cette rivalité, on dit, moi, je ne peux jamais dire quelque part que je suis fort plus qu'Agata. Jamais. Ça, je ne peux pas le dire. C'est-à-dire que si tu es fan de quelqu'un et qu'un jour, les gens, ils te glorifient, ils te disent, ouais, ils te vénèrent et tout ça, n'oublie pas. Moi, c'est Agata qui m'a donné envie de. Mais je lui D'être dis des fois, gardien. quand, oui, je lui dis des fois quand on se parle, le jour où je l'ai approché, j'ai dit, j'ai envie que, voilà, tu m'aides, je veux tes gants et tout ça. Il m'a demandé, tu vas faire quoi avec et tout. J'ai dit, je veux être gardien comme toi. Et il m'a dit, non, c'est ça, je le garde, c'est mon joujou et tout ça. Et à l'époque, après, il est parti à Africa Sport, je crois, d'Abidjan. Donc, ça là, j'ai commencé et tout le monde m'appelait Agassa, tu vois, c'était l'époque où. Voilà quoi. Et jouer à ses côtés, rester à ses côtés, ça me fait plaisir. Le jour où on a joué contre le Cameroun, la première personne qui est venue me soulever, c'était qui? C'était Agassa. Il m'a dit, tu l'as fait. Et après, il y a Thomas Nkono qui est venu me chercher. Il m'a dit, il y a Eto qui veut te Eto qui voir. veut te voir. Et j'ai dit, mais Eto veut me voir, c'est le pompon, ça. Et Ah. j'ai été, il m'a dit, t'es de quelle nationalité? Mais tu joues avec quoi? Tu joues Ouais. avec le J'ai dit, je suis Togolais, il m'a dit non, t'as des origines que j'ai toujours marquées à tous les gardiens togolais. Ah J'ai dit, ah ouais. bon, je suis une exception alors. Et il m'a dit, tiens, voilà mon maillot, on va se revoir. Et après, j'ai eu mon accident et il m'a fait une surprise sur le plateau de Canal+, à Talent Sport. Et il est venu, on a parlé, on a discuté. Il était vraiment désolé et il m'a dit, je savais que tu avais quelque chose, mais c'est pas fini. Ne pleure pas sur ton sort. Je sais que tu vas faire encore des grandes choses. Jusqu'à aujourd'hui, on se parle. Ah ouais. Oui. Ok. Bon, peut-être que tu vas réévoquer la question des taux tout à l'heure, Ouais. parce que j'ai une question pour toi vers la fin. D'accord. Et en fait, moi, j'aimerais quand même faire une mise au point par rapport à Agassa. Tout à l'heure, je disais, effectivement, moi, dans cette période-là, 2009-2010, avant la CAN, je me dis, franchement, avec ce que tu nous as montré, ce que Agassa nous avait montré avant, dans cette période, il était moins bien. Et sur cette période-là, franchement, moi, ce que je voyais par rapport à l'équipe nationale,
Tes performances étaient. Tu as joué, c'est un ou deux matchs, je me rappelle, je pense que c'était un ou deux matchs seulement. Tu as... Ouais, Mais franchement, c'était largement suffisant pour dire que non, franchement, toi, à la CAN, c'est toi le gardien. Tu vois? Mais je reconnais quand même que Agassa, comme je le disais tantôt, c'est notre Agassa national. Je pense que c'est le meilleur gardien que le Togo a jamais eu. Après, moi, Il y en a eu d'autres. j'ai Il y pas en a eu connu d'autres. Nibombé Wacké. C'est Nibombé Wacké, non, qui était Oui. entraîneur des Moi, gardiens, machin. je pense que c'est une référence. Mais pour moi, c'est Agassa que j'ai connu, Je donc je vais dire que c'est suis Agassa le d'accord avec meilleur. toi. Et puis après, je pense après 2010, là, Agassa, il est revenu, mais ce qu'il a montré à Zlatan Ibrahimovic avec Reims, va te coucher, il était le gardien en 2013-2014, il était le meilleur gardien du championnat français, je pense, ou en tout cas le gardien qui faisait le plus d'arrêts. Mais bien sûr, Donc là, en tout bien cas, sur sûr. la fin de ça, il a fini sa carrière à Reims, comme tu dis, mais il a fini tout en haut parce qu'il était impressionnant, il était revenu à un niveau Je incroyable. suis Et d'accord avec là, je me toi. dis que même à cette époque-là, bon, après, on ne saura jamais quel niveau toi tu aurais atteint, mais franchement, là, Agassa, il nous a tous remis C'est pour d'accord, ça que je hein. dis, il Mais méritait mieux. franchement, il méritait mieux. Et franchement, moi, je dis, sur la période 2009-2010, je te mettais devant, mais je t'ai vu jouer deux, trois matchs, quoi. C'était suffisant pour me dire que voilà, nanani, Ouais, je nanana. comprends. Mais voilà, quand même, on va C'est respecter le grand Agassa. quand C'est quand même, ouais, même le bien grand. sûr, je suis du même Et avis que voilà, toi. quoi. Du coup, voilà, malheureusement, tu n'as pas eu une carrière suffisamment longue pour nous permettre de voir ton réel niveau. Du coup, le On le Seigneur, verra, ça reste on le Agassa quand verra même. ailleurs. Donc, voilà, et lui aussi, on lui rend un vibrant hommage. J'espère que j'aurai l'occasion de le choper pour un Oui. épisode, peut-être la deuxième saison, pas Ouais. la première, genre, on garde juste notre dodo Il n'y national. a pas de Et maintenant, problème. après, peut-être pour la deuxième saison, on aura Ouais, Agassa. Donc, maintenant, la toute dernière question, finalement, on parle beaucoup, hein, ça se passe bien. ouais. La dernière question que je voulais te poser sur ta carrière, c'était justement évoquer cette équipe de 2010, très rapidement, hein, genre, en 30 secondes. Franchement, nous, comme je disais dans ma présentation, cette année-là, 2010, on se disait non. On avait le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina dans le groupe. Je me dis franchement, j'avais pas peur, quoi. Je me disais que l'équipe était trop prête. Alexis Soumaoro était en feu. Adebayor, on n'en parle pas. Je ne sais plus, il y avait Jonathan et Floyd a Ouais, tout le été. monde Jean-Serge Gakpé était arrivé en équipe nationale. était. Je me dis, cette équipe-là, il n'y a rien. Et puis en plus, derrière, maintenant, on a le Dodo Bilalekel là, qui rien ne passe. On ne sait pas là où il a fait son gris-gris, mais rien ne Non, passe. c'était du travail. Eto a parlé, tout le monde. Rien ne passe. Je me dis, hein, cette année-là, là, comment est-ce que vous vous sentiez en fait? L'année 2010, là, 2009-2010, c'était une année de... Comment je peux l'appeler? Une année de gloire, normalement. Je Ça te doit dis, être une année de gloire. je te Parce prends que, bien. bon, hein, moi, je me rappelle à l'époque, Monsieur Hubert Velud, qui disait, il savait même pas qui mettre en premier gardien. Ouais, parce que c'était chaud. Il y avait toi, Il y avait il y Baba, avait. il y avait... Mais nous, en tant que jeunes, on respectait l'hiérarchie. C'est On savait que Agassa. oui, on savait que Agassi allait jouer, tout ça. Ça ne nous dérangeait pas du tout. Nous, on n'était pas bloqués là-dessus. Et puis, les joueurs, tout le monde était au point. Donc, c'était parfait. On était dans une parfaite harmonie, ambiance qui régnait. Je te dis pas. C'était quelque chose de beau, de joli, de soudé. Mais bon, hélas, le destin a décidé autrement, c'est Ouais. tout. En tout cas, bon, on ne saura jamais. Finalement, après, on a eu un peu de mal après cette période avec les suspensions de la CAF et tout ça. Donc, on n'était pas là en 2012. Mais tu vas voir qu'en 2013, c'est le groupe a un peu continué et tu vois qu'on fait les quarts de finale. Et moi, quand je regarde en fait la performance qu'on a en 2013, avec un groupe qui est un peu similaire à ce qu'on avait en 2010 et qui était, je pense, encore plus fort que celui de 2013, je me dis 2010 là. 2010 là, on aurait fait quelque chose. Le On foot, aurait fait même au quelque chose. Togo, le foot Mais au Togo, que ce soit en sélection, il faut changer juste les mentalités. c'est ça On en va avoir fait. des résultats. C'est Faut pas, ça. en fait, quand tu te lèves tard, t'auras pas de résultats. C'est ça le sport. Que ça soit le sport, bon, le travail en général. Quand tu te lèves tard, t'auras pas de résultats. Faut pas que les gens y rêvent. Même aujourd'hui, on dit, ah, une sélection, ah, on n'a plus de joueurs, ah, on aurait préféré que ce soit vous. Non, c'est les jeunes qui étaient là, ils sont bons, mais sauf que ils n'ont pas commencé tôt. C'est-à-dire qu'une équipe,
Déjà, une équipe, c'est y a des gens qui sont tout le temps là comme ça. C'est pas on appelle l'autre Tac, là et tout tac, ça, on tac. dit venez Ça jouer. se construit très dès le début, quoi. Ça se Merci. construit très, très, très Merci, tu tôt. as tout Et puis compris. on développe les... C'est ce que le Sénégal est en train de faire. C'est ce Voilà. que le Sénégal est en train de faire. Exactement, donc faut pas Et... attendre quand tu je sais pas quand il pleut, faut pas attendre un pavé hein. Il faut attendre à la boue hein. En tout C'est cas, ça. ouais. Et comment dire, on va faire la transition de cette partie-là sur ta carrière pour arriver à la troisième partie de cette émission où on va aborder un sujet sur mesure pour notre étoile du jour. Ouais, gars, dis-moi, est-ce que t'as une machine à coudre? Ah tiens, non. Pourquoi? On m'a dit qu'il fallait tailler un sujet sur mesure. Ce sujet, bon, je te laisse la latitude de décider dans quelle direction on va. Ça Moi, je dépend de préfère toi. qu'on choisisse un sujet pour la société et la jeunesse particulière, Ok. dans la vie en général, parce Ah, que donc, ok, d'accord. Du coup, tu souhaites en fait ouais, qu'on qu'on parle parle de de la jeunesse togolaise. la jeunesse togolaise en Ouais. général. Dis-nous, quels sont les problèmes de la jeunesse? Moi, ce que je vois, en tout cas, moi, c'est ma vision, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, parce que aujourd'hui, la jeunesse est gangrénée par Internet, par des trucs à la con. Excusez-moi le terme, je m'excuse. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas un débat d'idées. Moi, j'ai parlé avec les jeunes de l'école ESA qui font commerce général, il y en a qui font du droit, des trucs comme ça. Quand on parle des sujets importants, ils sont effacés. Ils vont te parler de ce qu'ils écrivent dans les cahiers. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, normalement, l'agriculture, par exemple, doit être une matière facultative. C'est pas ce qu'on faisait avant en dessinant des herbes, en écrivant ça s'appelle ça. Ça, c'est les graines. Savoir comment planter, comment utiliser le sol, parler un peu de l'environnement, ne pas Entreprendre entreprendre, ne pas jeter des plastiques, des trucs comme n'importe ça, comment, faire le éviter trop tri. Internet, de regarder, de croire à tout ce qu'il y a à Internet dit. Il y a rien, c'est vide. Moi, je connais des bacheliers, des bachelières. Sincèrement, c'est chaud. Mon frère, je te parle sérieusement parce que ça me tient à cœur. C'est chaud. Il y a rien dans le cigare. Je suis désolé, hein. Moi, un bachelier ou bachelière, il est devant moi. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me dire, j'ai le bac, j'ai eu 20 ou 19 au bac. On s'en fout de ça. Qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tes Qu'est-ce que tu sais réflexions, faire? même quand tu vois le monde aujourd'hui, les gens qui ont des doctorats, quand ils te parlent, il y a un sujet important, vous parlez de ça, ils restent une position un peu bête, quoi. Sincèrement, moi, ça me fait peur. Moi, ma fille, elle est bachelière, elle fait du droit. J'ai une fille de 19 ans. Je te parle pas de ma fille adoptive. Des fois, je suis obligé de la pousser, de l'assister. Pour faire des choses, excusez-moi si je parle de ma fille, mais ça me tient à cœur parce que je l'aime de tout mon cœur. Et la jeunesse, c'est le poumon de l'économie, de l'existence d'un pays. La jeunesse, c'est. Forcément. Après, TikTok, il y a quoi? Les gens, ils s'insultent, ils font des trucs, on crée Des rien. lives. Des lives tapotés et je sais pas quoi, quoi, quoi. Moi, j'aime bien Internet, hein. Je suis le premier à être dessus, mais. Mon frère, moi je te dis, moi dès qu'il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas un truc créatif, je ne suis pas là, je suis effacé. Créer de l'emploi, donner du business à ceci. On nous en prend quoi à l'école? À dessiner des insectes et comment les intestins grêlent et tout ça. Et le cœur, le poumon, je ne sais pas. Oui, c'est bien beau. Même au pays ici, il y en a, ils font la langue. Tu es en Afrique, tu fais la langue. Quelle langue? L'allemand. Pourquoi faire, mon frère? L'anglais, ça suffit, c'est Oui, universel. l'anglais, Oui, c'est c'est la langue universel. commerciale par Oui, excellence. exactement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on nous en prend le cabiai, par exemple, à l'école? Dis-moi. À l'époque, c'était une matière facultative. Aujourd'hui, je ne sais plus. Je Il n'y a pense que plus non. rien. Il y a des langues, le turkossi, des trucs comme ça, c'est des trucs qu'on peut apprendre. La Koso, tu as Koso, non? Oui, mais est-ce que moi, je parle à Koso déjà? Moi, qui suis devant toi ici, je parle pas à Koso. S'il y a ça dans les matières facultatives, on fait ça de temps à autre,
que nous, on peut s'échanger et tout ça. On est là à parler la langue française, on est là à faire. Moi, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, la jeunesse. C'est parce que la jeunesse est livrée à lui-même. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu as ton bac, le papa, il n'a pas des sous, qu'est-ce que tu fais? Gozen, tu livres. Ou soit, si ce n'est pas ça, tu vas créer ton petit truc, tu vends des portables, ou tu répares des portables. Ce n'est pas de leur faute, hein, je ne les accuse pas. Hein. Mais je dis simplement, il faut qu'on nous mette des moyens pour que ça évolue, pour que ça change. Moi, je suis ici. Moi, des fois, quand je vois des gens qui me demandent, vas-y, fais un geste, toi, c'est mieux chez toi. Mon frère, moi, je suis sur le béquille H24. Mon frère, je prends 9 cachets par jour. Est-ce que ça se voit? J'ai mal partout. Tous les jours, j'ai mal. C'est les séquelles de mon accident. Est-ce que je peux pleurer sur Internet? Non. Tous les jours, je me lève, je me bats. Tu m'as appelé, tu m'as dit, tu veux aller faire une interview. Je sais que c'est un projet, c'est un porteur de projet où, voilà, on va échanger, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Je l'ai fait gratuitement et j'ai pas besoin. C'est pour aider aussi, pour contribuer à la pierre. Mais s'il n'y a pas ça, on est là, faire des lives, aller manger des moutons grillés. Et voilà, ça fait partie Ouais. aussi, mais le Ça fait partie, travail. mais le travail à côté, hein. Il faut s'amuser fort si tu veux, mais il faut Oui. travailler au moins aussi fort que tu Oui, t'amuses. moi j'ai une vision large, hein, mais je sais que je peux rien faire, mais au moins je le dis. Je J'ai fait mon me. tournoi. Vous vous rappelez, j'ai fait mon Oui, tournoi. l'année dernière, Ouais. mai Pourquoi j'ai pas 2022. fait deuxième édition? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça veut dire qu'il y a des gens, c'est des top UR, il y a des gens, c'est des journalistes alimentaires, il y a des gens, ils aiment bien gâcher le nom des gens pour pouvoir s'alimenter chez eux, des trucs comme ça. Moi, c'est des choses, moi, je l'ai fait pour la jeunesse. Deuxième édition, je l'ai pas fait parce que, et voilà, ça a pris des tournures où, voilà, et les gens, ils sont là, gâter ton nom, des trucs comme ça, mais on va où? Sincèrement, frère, moi, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de santé. Si je trouve un peu de maïs, je vais le faire. Je vais faire à manger. Je fais ABC, si ouais, demain, je mange. Et puis c'est bon. Je prends soin de mes enfants, de ma mère. Et puis, c'est bon. Tu peux rester chez moi et dire, bon, je m'en fous de la jeunesse. Mais moi, ça me tient à cœur. J'ai des enfants aussi. Même s'ils sont là-bas, moi, je leur dis, vous avez la chance, vous êtes là, faites ci, à faire ça. Moi, j'éduque mes enfants comme à la... Si seulement si l'État français me chope, il peut m'enfermer. Moi, tu prends une tarte. Tu prends une tarte. Parce que c'est comme ça. Tu as la chance aujourd'hui, profite. Nous, on n'avait pas ce papa-là qui était derrière. Aujourd'hui, tu as un père qui te dit, fais ci, fais ça, profite. Profite. Parce que c'est la seule chose qui peut te donner aujourd'hui. Moi, j'ai pas envie que demain on me dise c'est l'enfant à qui ça. C'est insultant. Ça, c'est l'enfant à qui. Enfin, on peut dire c'est l'enfant à qui, mais c'est l'enfant de qui ça même? Genre de Oui. manière positive, on va dire, ah, c'est Oui. l'enfant de... Ah ouais! Mais ça dépend Non, aussi, hein. dans le Ça, sens positif dans du le terme, sens en fait, c'est positif, ce que je veux ouais, dire. mais dans le sens négatif, où Non, ton pas... enfant, on va lui dire, toi, tu connais ton père, tu sais ce qu'il a fait. Il n'a pas fait grand-chose, mais il a contribué. Ressemble à ton papa. Moi, c'est ma vision. C'est comme ça que je réfléchis. C'est comme ça que je vois le monde. Je n'ai pas besoin d'avoir le doctorat. Je connais des gens qui ont le doctorat. Ils sont plus cons que toi et moi ici. Je te jure. Je te dis la vérité. Moi, je traîne tout le temps avec les babtous. Et je connais des gens, ils sont diplômés, directeurs, mes potes. Quand on échange, ça me fait peur. C'est du genre, ils sont super bons dans leur domaine précis, mais quand C'est tu tout. sors de ce C'est contexte-là, tout. voilà. C'est Donc, tout. et chez nous, en fait, je comprends un peu ce que tu veux dire. Ce que le ressenti que moi j'ai, c'est que nous, notre jeunesse, nous, nos frères jeunes, surtout ceux qui ne sortent pas, qui ne sont pas vraiment sortis du pays, qui restent dans l'éducation ici, ils restent vraiment limités dans l'esprit. Ils ne s'aventurent pas beaucoup à l'entrepreneuriat. Mais C'est du genre, Internet, voilà, c'est ils peuvent ça. aller choper. Sur Internet. Après, je pense que c'est tout un système éducatif qu'il faut revoir, hein. Il faut pousser les gens à entreprendre. Il faut pousser les gens à chercher. C'est une culture, en fait, qu'on développe. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se cultiver
à travers en fait une révision du système éducatif. Il faut pousser un peu plus les gens Il à la faut qu'il y ait des recherche. échanges. Voilà, il faut qu'il y ait des échanges. Ce que tu fais, c'est bien d'aller voir les élèves, leur parler de ton expérience, leur donner en fait voilà, cette petite envie-là d'essayer d'aller un peu plus loin ou de regarder un tout petit peu plus loin que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Tu vois, essayer de, bon, machin quoi, on parle d'agronomie, d'agriculture. Exactement. Essaye de découvrir, essaye de faire. Tu vois, peut-être que tu ne vas pas forcément aimer, mais ça va peut-être t'ouvrir les yeux sur autre chose que tu peux apprécier. Et puis c'est comme ça, en fait, en développant en fait l'appréciation de l'aventure, le goût pour la recherche et tout ça, on finit par développer ses horizons et puis après, voilà, quoi. Personnellement, le jour où j'étais à la maison, j'ai reçu un coup de fil en France en me disant que je suis convié à l'UBS. Pour les jeunes qui préparent leur mémoire, je suis sur quoi? Sur la psychologie, je sais pas quoi, 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 quoi. On m'a dit, je vais faire une conférence et je vais être payé. Je me suis dit, ah bon? On va parler juste de moi, comment j'ai fait pour me relever de mon accident, comment j'ai fait pour faire une formation, pour passer mon concours d'éducateur, tout ça, passer les diplômes, que de parler de ça, ils vont échanger. J'ai dit, ah bon? Combien? Absolument. Vous voulez me payer? Je me dis, mais bon, bah, ça se négocie. Et j'ai fait la conférence, on m'a donné de l'argent. À l'université, hein. C'est pas à l'école primaire, à l'université. Hein. On a échangé. Ici, au Togo. Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Animer une conférence avec la jeunesse, échanger, qu'on soit pas d'accord ou pas, échanger. Ou aussi, ils vont dire. Tu sais, des fois, par la motivation, des grands messieurs du pays, que ce soit un sportif, un politicien, peu importe, qu'on fasse ça de temps en temps, échanger avec. Ce sera quelque chose de jouissif aussi pour la jeunesse et de Forcément. savoir que on peut s'appuyer. Lui, franchement, comment il a fait ceci, cela. C'est ça, parce que on est là, on nous a donné un divertissement, on nous a abrutis à être là, à faire. Sérieux, mon frère, c'est la vérité. On est là. Ceux qui sont pas speed, ils vont rien comprendre. Moi, je sais que Internet, il y a du positif et du négatif dedans. Forcément, Donc, forcément. si tu fais pas attention, tu vas sombrer. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que faut que la jeunesse se lève et qu'ils prennent leur destin en main. Donc, tu sais, là, finalement, je t'ai gardé une heure, presque 1h30, Presque tu 2 heures. vois, presque 2 heures pratiquement. Je vais aller doucement vers l'outro, la fin. J'aurais aimé te garder plus longtemps, mais attends, quand même, faut laisser. On va casser le compteur. Voilà, on va casser le compteur, donc on va passer à la dernière partie. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu aborder avec toi, mais bon, c'est pas grave. Donc, nous allons passer à l'outro, et puis voilà. Ça y est, c'est bientôt la fin du podcast. Pour clôturer en beauté, on passe à l'outro. Alors, cher Dodo, l'outro, c'est des questions que je te pose du tic au tac et puis tu me réponds, voilà, avec ce qui te vient en premier comme réponse. Et voilà, il y a peut-être des questions qui vont peut-être te faire un peu réfléchir, mais voilà, ça va nous permettre de te découvrir encore un peu plus et savoir, peut-être avoir des petites anecdotes pour terminer. Donc, j'ai souvent 10 questions, mais je sais pas si on ira jusqu'au bout, ça dépendra de comment on avance. Alors, la toute première question que j'ai pour toi, c'est, alors, qui est la personne la plus connue dans ton carnet d'adresses? C'est pour ça que je parle, je me dis, c'est peut-être Eto, mais peut-être que je me trompe. Ça, plus connu mondialement. Oui, en tout cas, la plus connue, selon toi. Y en a deux. Il y en a deux. Je vais dire juste Eto'o. Je préfère Eto. regarder le deuxième. Mais le deuxième, c'est qu'ils ont envie de savoir. Maintenant, je ne peux pas dire. Mais Puisqu'il si. ne m'a pas autorisé. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est Peut-être le pour président ça. fort. Je respecte. Je Ok. Bon, après, respecte. quand on va couper, moi, tu me diras. Faut Là. jamais dire ce qui est à ne pas dire à un journaliste. Je ne suis pas Ah, journaliste, mais moi, justement. mais je te Je ne suis considère pas. comme un Non, je ne suis journaliste. pas. Là, non, je ne suis pas un journaliste. Je ne peux pas prétendre être journaliste. Je n'ai pas la formation et tout ça. Et puis, voilà. Alors, deuxième question. Selon toi, quel est l'acte le plus généreux que tu as déjà posé dans ta vie? Le plus généreux. Il y en a beaucoup, hein. Mais le plus généreux, selon toi, là, le top du top Le top du top, de tes actes les plus généreux.
c'est de prendre ma belle-fille comme ma fille. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Je suis bien De d'accord. l'aider jusqu'à Jusqu'à ce qu'elle ne... aujourd'hui, Jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, quoi. Ok. Tu es bloqué 1 heure ou 2 dans un ascenseur et on te donne la possibilité de passer cette heure-là avec une personne. Tu choisis qui? Cette personne peut être n'importe qui, un personnage historique, vivant, une personne vivante, morte, n'importe qui. Tu choisis. Même si tu demandes Jésus-Christ, on ramène Jésus. Du coup, Tu choisirais qui? Ma mère. passer le temps là avec ta Ouais. mère, maintenant. Personne d'autre. C'est Personne. maman. C'est ma mère. Aller-retour, chicoter, Même si repasser. c'est 8 heures. Ah ouais. Ok. Alors, ton talent, est-ce que tu as un talent caché? Un talent que, à part le foot, on sait que tu étais un footeur, on sait que tu as ci, ceci, mais peut-être que tu as un talent dont, voilà, on n'est talent pas. caché? Oui. Je sais même pas si j'ai un talent caché. C'est pas moi qui dois répondre à ça. Non, bah, peut-être par exemple, tu sais coudre ou tu sais coiffer, mais ben, on n'est pas au courant, tu vois un peu. Ouais, je coiffe. Ah ouais, tu coiffes? Ouais. J'ai appris avec les tutos. Oh, ok, Ouais. d'accord, tu vois, là, Mais ça par étant exemple, donné, c'est c'est un moi qui talent. coiffe mes enfants et tout ça, et Oh, quelques potes. ok, bah, Mais ça fait super. un moment, j'ai pas Ah, exercé. mais bon, après, quand tu as le talent, c'est comme le vélo, Ouais. j'imagine, on ne perd pas. Et puis, bon, maintenant, la question que je vais te poser, c'est du genre, quel est ce défaut-là que tu as? C'est du genre, hein, le défaut-là, tu l'as, tu sais que 100 ans, 1000 ans, tu peux tout faire, même Jésus peut venir, le défaut-là ne va jamais partir. Oh putain. C'est déjà, c'est un défaut, c'est là, Mon tu as Dieu. ça, toi-même tu sais que c'est mort, quoi, ça va jamais te laisser. Je suis catégorique. Catégorique, Ouais. c'est-à-dire un peu têtu, quoi. Pour me faire changer Quand tu d'avis. as décidé. Et puis voilà quoi, ça va être comme ça. Même mon père peut sortir de sa tombe. Ça va Ah pas, ouais, je ça vais va pas pas bouger. bouger. Si tu vas me tuer, tu vas me tuer. Ah ouais, Je suis un peu rebelle. je Voilà. vois, je vois. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais savoir, Dodo, quelle est la plus grosse erreur de ta vie que tu ne regrettes absolument pas? L'erreur que je ne regrette pas. Ouais, c'est une erreur, mais peut-être que sur le moment, tu te dis, ah mais non, genre, j'aurais pas dû. Mais après, finalement, tu te rends compte que bon, finalement, les retombées sont ce qu'elles sont, mais voilà, c'est pas mauvais. Allez. D'avoir choisi le foot. D'avoir choisi le foot. Ouais. Waouh. D'avoir choisi le Ouais. foot. Ok, d'accord. C'est qui la première personne à qui tu as parlé ce matin, aujourd'hui, quand tu t'es réveillé? Et c'était à quel sujet? Ce matin, Ouais, aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui. Peut-être que ce matin, tu n'as parlé à personne, mais. Oh. si j'ai parlé, mais parler ou écrit? Pareil, parler, écrire, la première personne avec qui tu as communiqué aujourd'hui. Et à quel sujet? C'est mon plombier. Ok, d'accord. Ouais, parce que ils sont en train de faire abidouer un truc au chantier, donc Ok, j'ai parlé à lui. d'accord. Et ça, cette question, bon, tu te réserves le droit de ne pas répondre si tu ne veux pas. C'est pourquoi ton ex est devenu ton ex? Mon ex est devenu mon ex parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie et que même jusqu'à aujourd'hui, on se parle, je mange avec lui, avec elle, avec son mari, avec les enfants. On n'est plus ensemble. La fameuse Jessica dont je vous ai OK. parlé tout à l'heure, que je disais, je lui dois à vie, parce que c'est une femme très importante de ma vie, parce que supporter ce qu'elle a supporté pendant toutes ces périodes, l'accident et tout ça, et je lui serai redevable à vie. Elle ne sait pas, hein, mais moi je sais. Elle s'en fout. On a parlé aujourd'hui. Elle m'a demandé comment j'allais et tout ça. Et les enfants, oui, tu m'as dit j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je te remets le reste sur le compte. Voilà. Mais pourquoi elle est devenue ton ex alors? Du genre, c'est peut-être parce que la situation était devenue trop difficile Ouais, tu à sais, quand il se supporter. passe quelque chose comme C'est ça vous dur. soude ou soit Soit ça ça vous vous sépare. sépare. Ouais. Et là, dans le Et ça vous a cas, ça vous séparé. a séparé. C'est tout à fait compréhensible. Alors, on t'offre un voyage, une semaine, n'importe où, et tu as la possibilité d'emmener une personne avec toi. Donc, tu pars avec qui et tu vas où? Avec Martine. Martine. Donc, ta nouvelle compagne, Non, j'imagine. ma Ah, ta mère. Ok, d'accord. mère. Et vous allez où du coup? Bon, on va à l'île Maurice.
À l'île Maurice pour une semaine. Oui. Bah super, bon. Avis au bon entendeur, j'espère que vous pourrez offrir voilà, un tour à l'île Maurice à Dodo avec sa maman. La dernière fois que tu as pleuré, c'était quand et pourquoi? Avant-hier. Avant-hier. Ouais. À quel sujet? Parce que au sujet de ma mère et parce que ma mère elle est malade actuellement, tu vois, Oh, ok. et puis je savais que actuellement, sans être prétentieux, j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout, même si la santé c'est un peu difficile. J'ai tout, je suis bien entouré, j'ai des gens qui m'apprécient, j'ai des enfants qui sont là, j'ai des gens qui sont là pour moi, la famille, mon frère et tout ça, mais il manque ma mère, quoi. Et des fois, quand même, quand je suis en voiture, que je dorme sur un lit trois places, et je suis pas bien. À cause de son état de santé. Oui, je suis Bah, pas on bien, va frère. espérer que, on va prier pour que ça Ouais. s'améliore et que ça aille mieux. Parce que, comme on dit, on peut pas tout avoir, Ouais, bon. ouais, ouais. En tout cas, mes prières vont à Ouais. son endroit et puis on va espérer que tout se passe mieux. Alors, la dernière, pour finir, je te donne un nom et puis tu me donnes un mot pour caractériser cette Cette personne personne, ou voilà quoi, un mot qui te revient ok. par Ouais, rapport un après. mot. Alors, Alexis Romao. Combattant. Emmanuel Adebayor. Phénoménal. Anthony Bafoué. Chef des titans. Ton deuxième enfant. Mon deuxième enfant, Ouais. Ovik. Oui, du coup. C'est mon fils? Oui. Oui. Du coup, ton deuxième enfant. Un mot. Bon. un mot pour lui, Oui. pour le caractériser, Oui. introverti. OK. Et enfin, cette émission. Parfait. Merci beaucoup, Dodo. Je Je vous te en serre la prie. main. Merci à Donc, vous. voilà. On a fait 1 h 30 minutes, Ouais. à peu près. Donc, franchement, je te remercie pour le temps. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, Un bon j'ai passé un moment. très, 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 très bon moment. N'inquiétez J'espère que, pas. voilà, les gens qui vont suivre, n'auront pas vu le temps passer. Et puis, voilà. Du coup, les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous, très bientôt pour, un nouvel épisode. Et puis, bah, voilà, terminé. Au revoir. Rentrez chez vous. Portez, ou si vous êtes chez vous, bah, portez-vous bien. Bon appétit, bon dîner. Ça dépend de vous. Et en tout cas, voilà, paix et amour.